Vive Haïti dénonce yon plan yo di pou vwa an plas la genyen, le yo mette Léon Charles kom DGPNH la a la vey 18 novembre la. Intervenant yo fè konnen, Léon Charles ki te deja nan tèt la polis la, te kon mache boule kay moun nan katye popilè yo, epi fè masak nan belè, dapre potpawol Viva Haiti ya ou ni Timote. Nominasyon Léon Charles la, an tanke direkte general la, se yon fason pou vwa fè pou fè moun ka pè, epi pou Léon Charles ka kontinye travay di Michérizia alias barbecue ta fè ya. An nou suiv. Ou menm ki pou kou abone a chanel la, ap do mèsi an pil, paske nou konon pral pren desisyon pou fè sa kounya. E ou menm ki te getan abone a chanel la, pabliye kite yon ti jem avèk yon ti komante pou nou. Mèsi an pil. Viva Haiti, mouvment sosyal e politik, nou bay konferans di pres sa, maten. Yon fason stres spesyal pou nou denonse plan pouvoir, lèl nome yon nouvo direkter general nan tèt la polis lan a la vey 18 novembre. E lèl sonje sa Léon Charles te fè lèl de direkter general la polis, nou sonje, monsye sa, se li te vini avèk kesyon di fè, mache boule kay moun an dedan kati mobilè. Nou sonje kalite masak monsye te fè sou belè. E lèl te bezwen yon argument pou asasine moun nan kati mobilè yo, li te rele yo, rat pa kaka, et te menm di te gen sakre li opération Bagdad. Lèn sonje yon seri de bavu policier te kon komet a chak fwa yal fè intervensyon musklé nan kati mobilè yo. Mwen jodi an, ebe pou pouvwa pa pèl pa krent, unikman pou fè moun pè, unikman pou kontinye travay barbecue tap fè nan krasé kati mobilè yo. Donk fwa sa, legalman li vin chwazi yon nèg tankou Léon Charles pou l'mete kom nouvo direkter general la polis lan. Fòk gen plènt ki depoze, nimeyo 1, par rapport avèk ansyen direkter general la, ki te fayi a misyon, kote la polis te kon ap akompanye bandi al fè represyon sou moun nan kati popilè yo. Men dezyèmman tou, fòk gen plènt tout pou depoze pou nèg tankou Léon Charles par rapport avèk viktim li te fè an dedan kati popilè yo e sou non la polis lan. Jounen jodi, pou moun fè moun pè. Pour empêcher moun soti, pour yo capab assassiner militant politique et pour yo capab même arrêter militant politique, yo vini avec on nèg tankou Léon Charles. Viva Haiti, vin la matin pour di peuple haïtien, nou pa prendre intimidation ça, nou pa prendre pression ça et pa gen youn nan yo ki capab fè nou peur tout. D'ailleurs nous songe, eh bien Léon Charles t'est tellement fait zak nan tête la police, c'est pas la petite pop li t'est soti pour t'est capab faire remplacer par on nèg tankou Mario Andrisol. Donc je vous dis, chaque fois pouvoir besoin faire répression, c'est Zel 4 modèle moun sa yo, li rale pour le mettre dans tête la police. Monsieur comme chef la police, c'est monsieur Léon Charles qui t'est cagoulé tout assaillant qui t'est avec Guy Philippe qui t'a terrorisé population depuis 29 février 2004 le même jour. Léon Charles t'est même arrivé bay nèg yo support pou yo te rentre nan koto ayre le kounye actuellement quartier général force armée d'Haïti sous Jean Masla ki nan moment sa c'était ministère de la culture yo krasé tout bagage dedans soit disant c'est des bagages maléfiques qui t'en dedans yo te sans respect pour patrimoine culturel pays a Léon Charles passé le pas clé Léon Charles il symbolisait répression parce que la police là à l'époque c'est à cagoule qui était con circuler en dedans pays là. Léon Charles comme actuel chef police personne pas besoin espérer pour pral gros police qui pral porter changement. Au contraire, nous même l'en vive Haïti, nous était quoi que Léon Charles c'est en grande répression. Il
il va amplifier répression sur masse populaire là. En 2004, le 22 mai 2004, première manifestation légale que l'organisation populaire a été organisée en dehors de Port-au-Prince, près de 12 personnes mouri. Ça a été mis dans le sachet. Heureusement, il y a un nade qui a été sauvé, qui a été Simpson Titus, qui a fait 2 mois dans le morgue. Même cadavre nous pas capable supporter, c'est que courir bouer dans tout. Avec présence Léon Charles en tête la police la journée aujourd'hui, nous était quoi? La police a politisé. Mais clair pour tout le monde. Parce que Léon Charles son homme politique qui sorti à l'ONU comme ambassadeur représentant Haïti qui retourné comme un nouveau chef police. Pour nous-mêmes, présence Léon Charles en tête la police là, c'est où la police tourne un G9 amélioré. C'est pour dire ça. N'a exhorté tout organisme droits humains. Yo gè fichier Léon Charles. C'est pour armer de courage pour mettre toute statue Léon Charles visible pour jeunes qui viennent yo pour reconnaître qui est ce jeune dis à qui l'entête la police. Merci. Son conférence de presse tout à fait spéciale. Parce que je vous dis, n'a pas avancé vers une date historique, une date qui gagne en pile signification pour nous-mêmes, peuple haïtien, et pourquoi pas à travers le monde, surtout peuple opprimé dans l'époque. Là. C'est date ça, son date côté esclavio, tu as fait dernière bataille pour nous finir avec la question de l'esclavage en dans le pays. Tu as fait le pays à ouvrir porte pour nous, tu prends l'indépendance nous. Et date ça, nous pensons que c'est une date qui fait honneur à travers le monde. Mais je ne vous dis pas, par rapport avec le contexte de la vie là, nous pas qu'à célébrer date ça avec fierté que nous devons célébrer là, avec dignité et honnêteté. Pour qui ça? Parce que l'obéi dirigeant nous gagne là, en dans le pays, c'est des gens qui là pour détruire toute valeur en dans le pays. Et l'un ne prend pas exemple. Création groupe gang et à travers pays c'est chaque jour levé nous joignons un groupe gang créé en côté pour ça parce que pouvoir ça là les pas gain intérêt non et formation jeunesse là. Au lieu jovenel li mette l'école professionnelle mette centre de santé mette mette travail dans quartier populaire pour nous permettre moun yo yo gagner des occupations pour jeunes nan pas ta rentrer dans question gang c'est pas ça le faire au contraire li encourager création groupe gang yo pour empêcher population li même li défendre droit et dans création groupe gang yo jounen jodi an nous joine yo yo pas gain problème pour yo armer groupe gang yo et groupe gang yo tout bon côté pa yo yo clair c'est Jovenel qui employé auprès de $30,000 américains chaque mois et Jovenel rivon côté li pa ka ba yo $30,000 américains ça yo lagé ko yo nan fait kidnapping et groupe gang yo pas arrêté là seulement dans Port-au-Prince yo a marché prendre territoire gens yo même yo toujours dit chaque grain gang qui nan mitan yo selon côté yo sorti yo bozam al nan zone bon la caillou al mette un groupe gang campé c'est ça que fait chaque matin nous lever à travers émission nouvelle yo nous tande gon groupe gang qui créé tel côté cap théoriser population cap kidnapper moun cap violer petite moun et au vin rivé non l'autre bag non l'autre phénomène la question crime organisé c'est organe moun yo gang yo a marché pour jodi a yo pas seulement kidnapper moun yo violer yo disparaître yo mais là au près yo kounye a yo couper yo prend et yo prononcer des parties dans comme moun yo ça soit c'est cœur yo poignet yo cerveau yo etc. rien moun yo finalement demander qui côté nous aller qui côté société a aller ça fait journée jodi a nous même nous dit quel que soit secteur en dans pays ou pas épargné. Ou pas épargné et tout le monde nous ta doit mettre tête nous ensemble pour nous résoudre problème. Étranger pas pas résoudre problème pour nous, c'est nous même peuple haïtien parce que c'est nous qui victimes. C'est nous qui principal victime des crimes Jovenel avec groupe gang yo a fait en dans pays. Et c'est pour raison ça nous même au niveau de l'opposition nous lancer manifestation 18 novembre.
c'est pral et à partir de 18 novembre bataille là li pral recamper li pral redémarrer pour jusqu'à 7 février 2021 dans fin mandat Jovenel. C'est ça que fait nous même nous inviter population hein, à travers tous 10 départements pays hein, quel que soit côté ou yé, 18 novembre là ou gen pour responsabilité assumer responsabilité ou, pour dire non ou pas d'accord non ou pas doué continuer vivre dans jeune à vivre là la journée aujourd'hui dans façon Jovenel li même li vle mettre pays a KO côté ces gang qui a fait la loi en dans pays a avec disparition en pile dans jeune timounio et puis fort timoun qui a mouri journée aujourd'hui ces jeunes filles 23 ans, 22 ans, 21 ans, parce que des bagages qui révoltent. Pour nous sortir la donne, seule solution, c'est pour nous mettre tête nous ensemble. Et 18 novembre qui va venir là, soit dans la couverture, soit sous champ de masse, pour nous même pour nous faire bataille là, ensemble avec Jovenel Moïse. Merci beaucoup.